Yo. Yo. Allez, c'est parti. Les premières questions, l'interrogatoire. Pseudo, pardon. Pseudo ? Ok, Irene. Pourquoi il est marqué Ben ? Modification de pseudo. Hein ? Quoi ? Ah, t'as modifié ton pseudo, ok. Oui. Et pourquoi t'as mis Ben ? Comme ça. Ok, ça va. Oh, tu parles un peu trop comme mec, hein. Je tiens à te le dire quand même, on entend que toi. Ouais. Remember it. Prénom. Vincent. Vincent, comme Mary. Aïe, ouais, ça y est. Ça commence mal. Ouais. Déjà une prédisposition à faire beaucoup sur Rainbow Six. Hein. Oh, on apprend. Oh, c'est bon. Beau gosse, Vincent, quand même. Hein. Ah, merci. Lève-toi un peu. Oula, non. Vas-y, 1m combien 80. Combien de kilos? Un peu trop. Ah ouais? Bah, t'as des grandes épaules quand même, non? Non, t'es costaud. Ouais, carré, mais. Mais carré, mais plus de 100? Ouais. Ah, y a un petit bidou, quoi. Ah ouais, petit. Non, ça va, mec. Moi, j'ai fait 102 kilos. Pareil, même carrure. Ok, âge 23. 24. Okay. Ville, t'habites où? Chailly-en-Bière. Bon, grosse région parisienne, quoi. Ah, vite fait. C'est ça, exactement. Ouais. Activité, emploi. Vendeur. Vendeur de... mobilier de jardin l'été et tout ce qui est décoration de Noël l'hiver. Bah attends, mais tu bosses chez qui? La Foire Fouille, tu vois ou pas? Ah bah ouais. La Foire Fouille, c'était le fournisseur officiel du juste prix pendant 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça essaye de monter en gamme, hein, maintenant. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Du coup, on va parler matériel un peu pour voir si on est sur de bonnes bases. Souris, t'as quoi? V3 Pro. C'est quoi, Razer? Ouais, Razer. Mm-hmm. Clavier. Wooting 60HE. Ok, nickel. Écran en Hertz. J'ai le 240 et j'ai le 360 qui est arrivé et que j'ai pas encore branché. D'accord. Tapis de souris, t'as quoi? Saturn Pro. T'es gaucher? Ou c'est la caméra qui est inversée? Non, c'est la caméra qui est inversée. Ok. Tu m'as dit quoi? Saturn Pro. C'est du 50x50. Ok, et tu utilises tous les 50, y a pas, le clavier vient pas déborder dessus? Non, du tout. Mm-hmm. Casque, t'as un HyperX Alphan, hein? Cloud 2. Ouais, bon, HyperX Cloud 2. Connexion en ping? 20. Ouais, ok. Nickel, quoi. C'est fibré, c'est tranquille. Ouais. Le seul problème, c'est moi. Ouais, bah là, on est sûr et certain. Franchement, là, y a pas de doute. Là, on est sûr et certain que le problème... C'est quoi, c'est un Elgato, le micro? C'est ça. Ah ouais, il est sympa. Le Wave, non? Ouais, c'est ça, Wave DX. Ouais, c'est bien, ça. Le son est bon quand on le met à 10 cm de sa bouche. C'est un USB ou un XLR? Ah non, c'est parfait, là. XLR. Ah oui, quand même. Ouais, comment ça coûte ça? Je l'avais en promo à 70. Ah, c'est pas cher. Putain, la qualité est vraiment bonne. Ouais, non, c'est tranquille. Bon, c'est parti. Du coup, on va parler settings in-game. La sensibilité, t'as quoi? 7.7 pour du 400 dpi. Ok, c'est peu. Ouais. C'est très peu, même. C'est beaucoup trop peu, en fait. 7.7 pour du 400 dpi? Ouais. Bon, ok, on va en reparler. J'ai pas touché au multiplicateur. Bah oui, j'imagine. Autrement, tu me l'aurais dit immédiatement, mais. Oui, voilà. 7.7 pour du 400 dpi, c'est très peu. C'est très peu. Ouais. Sensibilité ADS, t'as quoi? Alors, je suis en 58, 87, 91, 105, 161. En gros, j'ai copié le setting de bridé, sauf pour le horizontal, vertical. Bah, quel plus important pour le coup? Bah, lui, en 6.6, j'ai mis 7.7 parce que je trouvais ça trop lent. Attends. Bridé, il est en 6.6? Ouais. Attends, bouge pas, je vais sur le site. Ouais, t'inquiète. Ah oui, t'as tout pris. Ah oui, t'as tout copié, quoi, c'est ton idole. Ah bah écoute. 4 tiers. C'est un bon joueur, oui. 1901 par 1080, 90 de fauve. Tu peux faire un copier-coller, c'est bon. Ouais, mais la question c'est, est-ce que t'es support et est-ce que tu prends des lignes pendant 3 heures? Support HB. Ok. Faut aimer tenir de la ligne clic droit à cog de 20 cm. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut avoir un meilleur placement parce que bah du coup, on peut pas faire comme Bolo sur sa vidéo YouTube. On peut pas envoyer du flic. Exactement. Ok, why not. Graphisme moyen, on est bon, on est 240 minimum. Alors là, justement, je suis à entre 150 et 200. J'ai le PC qui part demain, il revient demain soir avec du coup les nouveaux trucs dedans. Et là, ce sera bien 400. Parce que 150, ça faisait un peu chier pour un écran 360 Hz, carré. C'est ça, c'est dommage. Mm-hmm. Polling rate de la souris, il est sur 1000, j'imagine. Peut-être plus chez Razer. Ouais, 8000. Ah, c'est 8K Hz, ça, oui, c'est celle-là, ouais. Ouais. Ça fait pas du stuttering dans les jeux, et en particulier R6? Alors je l'ai reçu hier, je l'ai branché juste hier pour la prac, mais c'est tout. Pour l'instant non, par contre la batterie part très vite. Bah oui, tu m'étonnes. Hein. Ouais, je perds 20% à une prac. C'est un peu overkill, moi je pense, mais bon, c'est un peu du marketing. Hein, Oui, non mais c'est clairement marketing. Ok, bon bah c'est parfait. Bon, à part la sensibilité, moyenne sur Rainbow Six d'un joueur moyen, j'avais déjà fait le calcul, je crois qu'elle se situe à 11.7, elle se situe à 12 en fait, sur du 400 dpi. D'accord. Si je devais faire une moyenne des joueurs pro, ouais, voilà. 7.7, 400, putain c'est chaud quand même. Hein. Parce que toi t'es en 10.10 je crois. 10.10, 10.10, 400, ouais. Sachant que c'est
c'est pas linéaire. Hein. Donc, faire plus 1, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait imaginer pour le coup. Bon, vite fait, sur le game knowledge, quand est-ce que tu as commencé à jouer? Parce que je vois que, bon, tu parles de track et tout. J'ai commencé à jouer, ça devait être quoi? Ça devait être saison 1, genre Buck. Mais c'était sur console à l'époque. Je suis passé PC année 2 avec Jack Almira. Et grosse pause jusqu'à Fenrir. 3 ans au moins, quoi, quasiment. Ouais, 3-4 ans. Mm-hmm. Donc là, je suis revenu à Fenrir. Et puis là, j'ai joué un an comme ça à faire des pracs, des petits tournois, etc. Ok. Parce que ça donne. Et du coup, là, essayer de. Parce que là, du coup, ça bloque, hein, ça stagne pas mal en termes de level. Voir si ça peut aider à débloquer d'un œil extérieur ou autre. Ok. Bon, toute la connaissance des maps, elle est comment? Elle est pas mal. À part, bah, du coup, repère, je connais pas forcément les lignes, etc. Mm-hmm. Sachant qu'elle va être dans le map pool, il va falloir la bosser. Après, sinon, globalement, on est bon. Ok. Ok. Bon, on va tout de suite passer parce que t'es quand même d'un niveau supérieur aux gens qui viennent me voir en règle générale sur Rainbow Six. Donc, il y a des choses que je fais d'habitude pour essayer de comprendre. Et après, le but du jeu, c'est pour moi, c'est de faire un programme personnalisé. Ouais. Donc, il y a des choses que je fais, par exemple des 1v1, ce genre de truc-là, je peux le faire. Enfin, c'est pas difficile avec des gens qui vont avoir un niveau. Parce que t'es quoi? T'es diamant minimum? Je tourne entre émeraude et diamant. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas difficile pour des gens qui sont platine ou inférieurs pour moi de faire des 1v1 et de m'apercevoir tout de suite de ce qui peut ne pas coller, quoi. Là, en l'occurrence, c'est plus compliqué. Ça se joue plus sur les détails. Plus on évolue, plus ça se joue sur des micro-détails. On imagine forcément, c'est à peu près la même chose que dans n'importe quel sport. Si une personne vient juste de commencer la natation, c'est pas difficile pour un coach de dire bon, bah écoute, saute dans le haut. En revanche, forcément, le coach qui va essayer de modifier pour essayer de gagner 0/10 pour Léon Marchand, bon, va falloir du coup, on va pas utiliser les mêmes mécaniques. On va pas lui dire saute dans l'eau, je vais t'analyser. On va lui dire écoute, on va peut-être utiliser des capteurs ou ce genre de choses pour essayer d'optimiser. Je sais pas, moi, je n'y connais rien en natation, donc le diable va se cacher dans les détails. Je l'ai déjà vu, c'est pas lui, plus jeune, qui jouait dans le sixième sens avec Bruce Willis. What? Putain, j'ai pas la ref. Ah ouais, le gamin, ouais. Ok, ouais, je vois, ouais. Ok, donc c'est quoi l'objectif? Pourquoi tu viens me voir? Bah forcément m'aider. Objectif du coup champion, et je compte participer à la GA cette année. Ouais. Qui allait avec peut-être un peu plus de niveau forcément que là actuellement. Et aller voilà pour faire une expérience et puis faire une compète, faire une LAN quoi. Bon, c'est de la merde comme objectif quand même. Tu peux y aller sans passer par le coaching. Y aller, c'est... Ouais, mais moi, je veux pas y aller juste pour y aller. Je veux y aller quand même. Coupe le live s'il y a le live. Si non, il n'y a pas de live. Ok, d'accord. Y aller pour y aller. Tout le monde peut y aller. Maintenant, il faut se donner un objectif. Bien. On fait quoi? C'est ça, en fait, la question. Au moins, ramener quelques points. Pas y aller. Il n'y a pas de points. Il n'y a plus de Cyber League. Ça n'existe plus depuis 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on... C'est top 1, top 2, top 3, top 5. Hey, c'est... Il y a combien d'équipes déjà à la GR? Oh, je sais pas, la dernière, il y en a eu une quarantaine au moins, je pense. Ouais, on va dire finir dans le milieu de tableau, ce serait pas mal. Donc tu vas aller à la GA, mais l'Hexagone 6, si on en refait une, tu la fais pas, quoi? Si, aussi. Ah, ok. Comme ah, oui. Pas prévu. Ah oui, c'est vrai. Mais la GA non plus, pour le moment, elle est pas prévue. Bah si, elle est prévue chaque année. Bah c'est ça, ouais, c'est ça. On sait que tous les ans, ça va être fait à peu près sur les dates fin mars. Ok, mais oui, bon, d'accord, ok, mais participer à la GA, etc. Qu'est-ce que t'as envie de devenir en fait? T'as envie de lancer pro? T'as envie de devenir pro sur Rainbow Six? Non, pas du pro, mais tourner voilà, dans le circuit amateur comme ça. Mais c'est nul comme objectif. Parce que je veux pas être pro, c'est ça, pas chercher tout en haut. Bah, quel est l'intérêt de faire de la compétition si c'est pas pour viser le top? Est-ce que c'est parce que t'as peur de montrer tes prétentions? Non, pas forcément. C'est pas une question de prétention ou quoi, c'est juste bah. Non, mais jouer prétention, c'est pas prétention dans le sens d'être prétentieux. Avoir des prétentions, c'est avoir des objectifs. C'est pas vulgaire de dire d'avoir des prétentions. Après, forcément, si au bout d'un moment, bah, y a le niveau pour jouer des tournois, genre le combine, tout ça, pourquoi pas? Mais voilà, déjà, ce sera déjà pas mal. Arriver au combine, faire des tops, des matchs, etc. Ça sera vraiment pas mal. Ouais, mais ça, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, je pense. D'abord, il faut avoir l'envie de tout péter, quoi. Si tu pars dans la logique de si j'ai le bon niveau, alors peut-être si les opportunités se présentent à moi, peut-être que je les prendrai. Non, en vrai, faut regarder le haut de la montagne, c'est tout. Autrement, tu vas toujours tomber sur des personnes qui sont plus mortes de faim. Après, bon, j'entends hein, cette logique humble de vouloir participer à une guerre me rassemblée pour se faire une expérience et tout. Mais j'ai déjà eu un coaching qui s'est passé de la même façon où la personne a dit exactement la même chose, et je sais ce que ça donne, ça. Je sais exactement ce que ça donne dans un an et puis dans le circuit, c'est sûr. Moi, je peux te, il n'y a pas besoin de faire un programme personnalisé. Je peux te lire la boule de cristal, ok. Tu vas faire un top 8-16 à la GA, tu vas tweeter ça en mai en disant salut, bah, très content du top 8-16 avec le nom de l'équipe dont tout le monde se fout, tu vois, avec les Tata Yo-Yo Gaming. Franchement, c'était une bonne expérience. Vivement l'année prochaine, 6 mois après, t'as une meuf ou je sais pas quoi et t'as arrêté Rainbow Six.
6 parce qu'au final, voilà, je le dis, hein, ça c'est 98% ouais. des personnes. Est-ce qu'on a envie de faire de la compétition et donc par définition, la compétition c'est une logique de gagner ou alors est-ce qu'on a envie de juste s'amuser et la compétition est un prétexte à l'amusement? Non, alors s'amuser c'est un plus quand on joue, mais c'est pas forcément le truc principal que j'aime. Faire de la compète pour gagner. Si on s'amuse, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Ok. Il y a jamais des moments où tu t'es dit j'ai envie de rentrer chez BDS, quoi, par exemple? Alors franchement, j'ai jamais visé si haut. J'ai jamais dit ouais, je vais rentrer chez BDS. Mais pourquoi cette crainte? Pourquoi ce manque d'exprimer un objectif, hein? Parce que tu penses que t'as pas les capacités pour l'atteindre, hein? Parce que j'y ai jamais pensé, pour être franc. À aller tout en haut chercher, en fait, de dire bah voilà, je vais aller chez BDS ou je vais aller chez Wolf. Je leur dis bah écoute, je vais faire la GA, je vais me faire une expérience et puis essayer de tourner dans le circuit amateur, etc. Pour faire quoi? Donc tu tournes dans le circuit amateur, donc tu fais du T2, etc. Tu fais des petites pracs de temps en temps, des petites games de temps en temps. Pour moi, ma satisfaction personnelle, tout ça. Mais quelle est la satisfaction personnelle de faire des top 16 à la GA ou de gagner des compétitions qui sont un peu sans saveur? C'est ça la vraie question. Je sais pas, tu vois, j'ai quand même un niveau. J'ai pas été jusqu'en pro, mais j'ai un niveau. Pas un niveau genre que tu croises, je sais pas moi, un ranked qui passe, quoi. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, mais c'est biaisé par ma façon de penser, de la vision de la compétition. Toi, c'est soit on va en haut, soit ça rien. Bah, c'est soit on vise le haut. Après, est-ce qu'on a les capacités de l'atteindre? Ça, c'est autre chose. Mais ouais c'est un peu. C'est un peu ça, ouais. Je pense que le but du jeu, c'est quand même de viser le top et de pas avoir peur de se dire, ok, j'ai envie d'aller au top. Là, l'objectif, il est à peine quantifiable, en fait, pour moi. J'essaie de le comprendre pour le coup. Je me dis, ok, mais bon, dans ce cas-là, pourquoi pas. Je sais pas en fait. Pourquoi pas juste faire de la ranked? Quel est l'intérêt en fait? Le plaisir de la passion, moi aussi, j'aime bien faire des petits tournois locaux. Et même si on finit dernier, bah tant pis, mais au moins j'ai kiffé. Oui, mais il y a une différence entre participer et vouloir gagner. Là, il paye un coaching qui coûte une blinde. Donc. C'est pas moi qui l'ai payé, c'est un cadeau, mais. Oui, ok. Bon, alors déjà, oui, effectivement, c'est pas vraiment la même chose. C'est encore différent. Se faire kiffer en LAN avec du challenge sans être pro. Se faire kiffer en LAN. Mais j'ai du mal, vraiment. Et quel est le. Je sais pas, ça c'est moi qui suis biaisé. Quel est l'intérêt d'aller en LAN compte tenu de l'investissement financier et en temps que ça peut coûter avec autre chose en tête que l'idée de vouloir gagner? Tu sais donc qu'il y a un moment où au final, bon bah tu vas perdre quoi. À part d'être dans une considération absolument de passer un bon moment entre potes et puis voilà, et puis on fait un petit tournoi R6 et après on partira sur se faire un valo entre potes quoi. Tu vois ce qui se faisait dans les LAN d'avant. On n'a pas forcément tous envie d'être le meilleur. Il peut kiffer à très bon niveau sans s'imposer les sacrifices que demande le très haut niveau. Qu'est-ce que tu penses des millions de joueurs de foot qui ne jouent pas en Ligue 1? Des millions, je ne sais pas, mais je pense que tous les joueurs qui jouent en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 aimeraient bien. Enfin, ils aimeraient tous être Kylian Mbappé, quoi. J'en suis persuadé. Après, c'est pas tout à fait pareil parce que, attention, peut-être pas. Là, à la limite, la personne peut me dire, moi, à partir du moment où je suis professionnel et que je gagne mon argent, jouer au FC Nantes, ça me va très bien, tu vois. Je fais j'en ai aucune idée de combien ils font. Je fais mes 15 000 euros par mois. Bon bah ça me va. Bon, je dirais que c'est un peu chiant de pas vouloir quand même avoir un truc qui est vraiment d'emmener son équipe et soi-même vers une meilleure version de soi-même et de son équipe pour le coup. Mais au moins je pourrais entendre le fait de me dire bah là c'est une profession. Il y a quand même une certaine réussite par rapport à l'investissement que celle au final d'avoir dans notre société capitaliste d'avoir tourné sa passion en profession. Je joue au foot et je suis payé. Voilà. La vraie question c'est par rapport à la question que tu me posais, Younim, qu'est-ce que je penserais d'une personne? Alors effectivement c'est un cadeau pour le coup. Qu'est-ce que je penserais d'une personne qui va payer un coach, Giroud, 10 000 euros pour qu'il devienne meilleur sur le foot et après de cette personne de dire bah non mais moi ça me va très bien au fait de jouer en district. Il faut vraiment partir du principe que là il a quand même clairement indiqué une volonté de ne pas être professionnel puisqu'on parle du circuit amateur. Donc la vraie question c'est quel est l'intérêt de tourner dans le circuit amateur sans avoir à un moment la volonté d'intégrer le circuit professionnel. Après, bien sûr, dans les rêves les plus fous, oui, on gagne une grosse compète, il y a toujours un truc comme ça, forcément. Mais après, oui, en étant réaliste, pour moi, c'est circuit amateur. Dans les rêves les plus fous, oui, je suis à la place de, je sais pas, un joueur comme Bridé, par exemple, et qui clutch, je sais pas, une finale, une connerie comme ça. Bien sûr. T'as pas envie de te dire aujourd'hui, je transforme ce rêve en objectif? Au vu du temps que j'ai à consacrer, etc., je pense que c'est trop compliqué. Ok, ouais, d'accord, ok. Bon, c'est une bonne. Il y a des facteurs qui font que pour moi, c'est pas. Je pense que c'est pas faisable. Ok, combien de temps tu veux y consacrer pour le coup? En gros, 4-8, je dois être à entre 16 et 20 heures semaine. Ok. T'as une meuf? Ouais. Ouais. Ouais, faut la quitter. Tu m'offres le coaching quand même. Ce sera le premier élément du programme. Largue ta meuf. Trop beau mon chou 6-4. Ok Shikata Waga, bah écoute ça fait extrêmement plaisir, bienvenue à toi. Prends un sub hein, du coup.
sont pas si cons les IA. Hein. Bah t'as pingé un bandit et après s'il s'est transformé en alibi en même temps. Ouais mais j'ai entendu des bruits de pas, je me suis dit que c'était pareil. Ouais bon après c'est les IA hein, donc c'est pas très... C'est difficile d'avoir du game sense avec des IA quoi, ça c'est sûr. Tourner la caméra ou le téléphone un peu pour que je vois et ta tronche et l'écran. Est-ce que le micro cache une partie de l'écran? Non. Sûr? Sûr. À aucun moment, même pas... Comme je... Non, je suis un ouais, peu plus non, haut, non. Je vois, mais j'avais peur que le bas de l'écran, au niveau de la boussole, tu vois rien, quoi. Je vois tout très bien. Justement, c'était un peu la galère au début parce qu'effectivement, il cachait et on s'appelle. J'ai du coup acheté un bras qui passe en dessous de l'écran pour pas que ça cache. Ok. Et il est un peu stressé, non? Ça, je vois bien que non, il est pas du tout stressé. Ouais, ça, c'est partie des considérations, des éléments psychologiques que j'arrive à voir assez rapidement. Non, il est pas stressé, non. Non, il doit pas regarder le live, il doit mettre le chat, comme beaucoup de personnes, que je déconseille à tout le monde. Hein. Meilleur moyen de... D'ailleurs, pareil, si vous vous lancez dans le stream, enlevez le nombre de viewers. Bon, après, si tu te lances dans le stream, t'es obligé de répondre à ton chat, quoi. Mais bon. Merci, Saint-Suisse. Tu tombes bien. Bienvenue. On prend des dégâts des barbelés maintenant. Ah bah ouais. Dernière mage. Avant dernière mage. Antépénultième mage. Tu trouves que le versus IA te permet de mieux analyser qu'avant? Là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment le coaching, un coaching compliqué pour moi. Parce qu'il a le niveau de ses objectifs. Je vais le faire. Hein. On va faire une analyse détaillée de la prague d'hier, etc. Machin. C'est un mec qui vient voir un Sherpa en bas de l'Everest et qui lui dit « Moi, je veux juste atteindre le camp de base numéro 1. » Je le regarde physiquement. Il fait 100 mètres devant moi et tout. Je vais lui dire « Bah... » Ok, mais quelque part, moi j'ai pas envie. Il y a une partie de moi qui me dit ça sert un peu, c'est un peu overkill que tu payes un Sherpa pour aller au camp de base. Vraiment, tu peux y aller. Le premier camp de base pour aller à l'Everest, c'est une randonnée, frérot. Donc ça va le faire, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu ça avec lequel j'ai du mal. Il n'y a pas besoin de devenir meilleur pour faire un pour se faire une expérience à la Gamer Assembly. Il n'y a pas besoin de devenir meilleur pour être, je cite, hein, dans le circuit amateur de Rainbow Six. Il n'y a pas besoin. Pas des mécas de diamants, honnêtement, après je pense qu'il sait jouer. Il a les mécaniques et le niveau de jeu d'une personne de son niveau. Il va quand même parler de la volonté d'être champion. Donc ça peut déjà me donner une indication sur une volonté d'être meilleur et d'aller dans ce sens-là, quoi. Varco Astro, Varco Room. Voilà, c'est bon. Jaeger Room. Jaeger Rooming Varco, c'est bon en soutien, Astro Garage. Ouais. Appuie sur le bouton Play. Ah, le ouais, bouton Play. Mais y avait pas pensé. Regarde. Bon. Si tout au top, on se fait le double HB pour commencer vite fait. Ou vous voulez faire le truc soft? On se fait comme d'hab avec le Capi Grim. Arken qui essaye d'open avec le Capi du coup. On open le back aussi, le mur solo. Vous voulez faire le double HB? Prends Buck. Ils sont en bas. Ah, bon bah nickel. Prends Ibana. Okay. Prends la Ibana du coup. Prends la Nomad, prends la Ibana.
Mais là c'est bien vos drones, il faut un drone lunge, un drone stock, un drone pour l'escape, un drone pour le bar. Je mets mon drone bar. J'ai un drone bleu. Deux, il y a un Jaeger dans le lunge, porte lunge, Jaeger. Il est sur toi Arken. Il est stock, je prends. Il est en train de faire la hatch. Ok. Il se barre. Il redescend par Ah, fermez la porte. Ouais, il redescend bleu. Ok. Je garde le drone stock. Stock, je vois personne. Attends. Je vois personne bar. Je vais aller open le tunnel et je vais open la chub. Hatch kitchen. On prend les infos pour les mecs qui redescendent au cas où s'il y a des mecs en roaming. La porte bleue, la porte bleue, elle est barricadée. Ok. Drone activated. Jaeger, tu vois des pirates ou pas? Non, Jaeger, hein. Faut que je laisse okay. passer, frérot. Ouais, de l'info ou pas sur au-dessus? Vas-y. Attends. Je drone le pirate au cas où. Dans la chambre, hein. Dans la chambre, j'ai rien. Dans les toilettes, dans le strip, il part. Il est billard. Jaeger strip. Vas-y, je suis sonné. Ok, c'est clear. Sonné. Le drone en dessous, Jackal. Dans le gare. Il était juste en dessous de la trappe. Le gare, il repart toilette. Ouais, toilette, là, Jaeger. Flash. Ouais, il m'a. Il arrive à vous la mettre. Toujours sur ping. Bien joué. Ok, bien joué. Il y a des infos, quoi. J'ai mes personnes, il y a une mira. Il y a un mute. Sur la trappe kitchen, il y a le mute, quoi, au C4. C'est mute. IQ. Bon, du coup, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à tout ce qui est en train de se passer, là? Bah, moi, je dirais que sur la première minute, j'ai pas été forcément ce qui est le plus utile. Notamment au droning, normalement, c'est moi qui dois le faire. Et là, au final, c'est pas les autres qu'on fait. Ouais. On va peut-être pas assez vite open les traps. Ok, un truc que je répète à peu près depuis 2018, hein, je pense, c'est un clubhouse, on fait quoi? C'est quoi le plan de jeu de base quand on attaque en bas? Bah, déromer tout le top. Yes. Et après, prendre le contrôle de tout ce qui est bar, etc. Après, on avise en fonction de là où on va. Si on va plutôt dirt kitchen, si on fait plutôt moto. Ah, c'est exactement. Tu viens de trouver la problématique au bout de 10 secondes. Hein. Tu m'as dit sur Clubhouse, quand on attaque en bas, on dérome tout le top. Au bout d'une minute de jeu, vous attaquez horizontalement le rez-de-chaussée et vous vous posez la question de on a des infos sur le top. Ça, on l'a dit directement, effectivement. Après, on aurait dû faire ça d'abord, déromer le top avant de commencer à aller horizontalement côté garage, où ils sont insérés, garage, stock et trip, je crois qu'ils sont insérés. Ouais, bon, c'est pas dur. Tu mets des drones d'intersection sur Clubhouse et tu déromes à partir du top. Il y a des entries, un mec qui suit et des mecs qui prennent la coupe et il faut avoir une certaine logique de découpage de la map. Mettre un drone au niveau des toilettes pour avoir un contrôle du striptease, c'est quand même le truc assez normal. Avoir un mec au niveau des toilettes, c'est assez normal qu'il soit là. Bon, on s'insère au niveau de la gym, par exemple, c'est pas trop mal, ou au top, et après, on avance case par case. Là, tu spawns au warehouse, au final, pour rien faire. Enfin, t'as perdu 30 secondes pour passer chenille, hein. T'aurais pu spawn une construction. Oui. Donc, pourquoi ça a pas été fait? Parce que c'est un oubli. Parce que je partais du principe qu'ils allaient être au-dessus, et quand on a eu l'info qu'ils étaient en bas, j'ai pas pensé à changer. Quand est-ce que vous l'avez su qu'ils étaient en bas? Assez tôt. Non, mais assez tôt dans le round ou assez tôt pendant la phase d'observation? Pendant la phase d'observation. D'accord, et toi tu partais dans l'idée que c'était au top? Ouais, au top, soit gym, soit cash. D'accord. Au moment où on est là, il y a quoi qui passe dans ta tête là? Aller open, comment ça s'appelle, le tunnel, enfin la dirt. Ouais. La kitchen. Ouais. Et sur le coup, effectivement, j'ai pas pensé à aller droner pour déromer le top. Je savais pas par où est-ce qu'il voulait attaquer et c'est un truc que je n'ai pas fait. Bon, après, t'es Ibana. Sachant qu'il y a qu'un seul breacher, que j'ai entendu dès le début vous parler de double hard breach. C'était s'ils étaient au-dessus, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ta Ibana? Si vous étiez parti dans une logique où vous voulez déromer le top au clubhouse. Et là, étant donné que vous êtes juste là, venez, on dérome le top. Ils vont aller au top. Ils vont dérober le top là. Où est-ce que t'as envie d'aller là tout de suite? Bah, à la limite, je me mettrais pour couper au niveau de toilette. Je sais pas si c'est la bonne pause. Au top. Ah, en parlant du top, à la limite sur le. Comment ça s'appelle? Là, t'es là, tu viens de te gourer, t'as spawné warehouse. Bon, ok, très bien. Là, ils vont prendre le top là. Ils vont faire des trucs pour aller prendre le top. Donc, à la limite, j'aurais voulu couper une redescente du top. Donc, j'aurais peut-être été, comment ça s'appelle, au niveau du conteneur pour avoir la ligne sur l'escamain top côté de chambre pour redescendre. Ok. T'as pas envie de rentrer? Pourquoi? Que j'ai pas encore ouvert les hatches, ouvert les murs, tout ça. Cool. Bon, bah c'est ça, c'est la bonne réponse. Donc du coup, tu t'inscris quand même dans une démarche où tu aides tes potes à suivre la stratégie de base, mais tu comprends que, étant donné que t'es le seul hard breacher, tu peux pas prendre les mêmes risques que Dokaebi qui a décidé, ou le Jackal. Oui, non, faut pas canner en premier. Voilà, t'as des responsabilités. Donc là, il faut que je m'inscrive dans une démarche où il faut que j'arrive à étudier quels sont tes défauts individuels, hein, tout en s'inscrivant dans une démarche d'un point de vue collectif. Vous êtes totalement
totalement à côté de la plaque sur comment il fallait gérer ce round-là sur Clubhouse. Donc c'est compliqué, parce que forcément c'est plus simple pour moi de voir quel est le problème qui a fait que vous faites au niveau des toilettes d'un point de vue collectif plutôt que de prendre cette considération d'un point de vue individuel. D'accord ? Avant même que au final tu fasses le kill ou pas le kill sur le mec qui était au niveau des toilettes. La réflexion globale de j'ai Ibana, on fait un truc et j'essaie d'aider mes potes sans pour autant prendre le risque des personnes qui sont elles considérées comme des entrées fraggeurs, elle est bonne. C'est un problème de gestion d'équipe et pas réellement un problème de gestion individuelle. Même si le mec il se fait niquer au niveau de la trappe de la gym, bon bah il aurait pu faire le kill quand même, ça aurait été bien. C'est important de le comprendre. Sur la trappe kitchen, il y a le mute quand c'est mute. IQ, tu peux le voir avec ton drone. Mute ou avec, c'est Kaïd? Il est sous la kitchen. C'est 4 en main. Ouais, je pense qu'il parlait d'un mute, mais effectivement il est Kaïd aussi. Bon. Tu vois la différence qu'il va y avoir entre un diamant et un champion? Bon allez, on va arrêter avec les diamants et les champions. Mais entre un joueur bon et un joueur pro, ouais. Là il y a 1h37 de vidéo. Okay. Et ben on peut parler pendant 10 à 15 minutes de ta gestion désastreuse de cette fenêtre par exemple. Okay. Si donc du coup tu n'arrives pas à voir quel est le problème sur la gestion de cette fenêtre, si tu respectes pas les fenêtres sur Rainbow Six et comment tu fais les choses, alors bon oui effectivement ça servira à rien de vouloir être pro et ou champion au final sur le jeu. Il va falloir respecter le jeu, il va falloir respecter le fait que Rainbow Six ça joue sur les taille. On n'ouvre pas alors qu'on n'a aucune connaissance de ce qui pourrait se passer. Vous êtes en situation d'infériorité numérique. Le mec, il s'est inséré au niveau du bar. Mais il y a encore beaucoup de complexité. On n'a visiblement pas un vrai contrôle de la map. On n'a pas nos drones ici. On n'ouvre pas une fenêtre comme ça, je suis désolé. Le mec est en train de donner l'information sur l'escamaine derrière. Ok, très bien. Néanmoins, là, quelle est la problématique sur cette fenêtre? Qu'il y a un mec qui soit toujours caché dans la kitchen. Ouais, il y a une ligne directe, du coup, là, qui se fait, bon, presque au niveau de ta tête. Mais c'est surtout si tu montes un petit peu. Là. Il y a une ligne qui vient de se créer. Si je fais un trou en haut de la trappe, là je peux. Tu joues contre moi là. Là t'as pris des dégâts. Moi je prends toujours cette ligne là. Je prends une Azami quasiment tout le temps. J'ai fait des trous de Deagle. Et tête à l'envers ici, moi je te la colle. Donc ça c'est hyper important. Alors que pourtant t'étais vraiment dans une logique où t'avais envie d'ouvrir cette fenêtre. Donc quel était l'intérêt d'ouvrir la fenêtre sur un autre angle qu'un angle extrêmement fermé du type aller se foutre là. Bah non, t'as pas mon curseur. Pardon, excuse-moi. Je suis à droite de la fenêtre. Une ligne cassée. Parce que si le but du jeu ça va être à chaque fois de mourir et de se dire ah ouais, il a la ligne. Ah ouais, il avait des... Ça va être ça ton avenir. Donc je te le dis, ton avenir, tu vas participer à la Gamer Assembly, vous allez participer avec ton équipe, vous allez peut-être passer les poules et vous allez vous faire en grand maximum un match ou deux matchs grand max après les poules. Si le but du jeu c'est d'avoir ça et donc du coup d'intégrer ça dans une logique de c'est une expérience, bon bah vas-y. Moi j'ai rien à dire. Tu as le niveau, vous avez le niveau, en tout cas toi t'as le niveau pour atteindre cet objectif. Si en revanche vraiment il y a une volonté d'être champion, s'il y a une volonté en revanche de devenir meilleur, alors il faut déjà respecter le jeu. Cette fenêtre, faut la respecter, cette fenêtre on peut en parler pendant 15 minutes. Et si on peut faire ça sur cette fenêtre, alors on peut faire ça aussi sur ton spawn, on peut faire ça sur votre gestion désastreuse, de ne pas s'être renseigné par exemple et de ne pas dire à cet teammate à un moment de dire les gars on a besoin d'anti-roamer le top. Ça sert à rien d'aller dans le main comme des blaireaux pour aller ouvrir la trappe du main parce qu'on est Nibana sur banque alors qu'on n'a aucun contrôle du top. On commence par le top et ça depuis 2000 fucking 15 en fait. C'est en s'appliquant réellement sur ces détails qui sont du domaine parfois du pixel qu'on devient un excellent joueur. En revanche, bon bah si on veut juste être un bon joueur alors oui bon bah on casse la fenêtre en étant en face etc etc. Tout ça si je te le dis avec une certaine déconvenue c'est que je pense que tu sais tout ça. C'est juste c'est la façon dont tu joues à Rainbow Six, c'est la façon dont tu respectes le jeu. Il y a une sorte dans le cassage de cette fenêtre, il y a une sorte de feignantise, une feignantise intellectuelle. C'est-à-dire que si tu te faisais par la ligne que je t'ai dit, tu la connais la ligne. Mais c'est juste de se dire bon allez vas-y, bon je casse la fenêtre, vas-y de toute façon on est déjà moins deux, machin, je fais mon truc. Et ça derrière, je prends mon temps, d'accord, j'envoie l'information, je m'appelle bridé. Mais c'est inadmissible. Mais moi je m'auto-flagelle pendant des heures. Mais moi je suis ton coach, etc. Tu prends un scud, sérieusement. Je te dis, mec, t'as envie de gagner une gamer assembly avec moi? Et t'es pas foutu capable de mettre une Ibana? Si par exemple ça, quand tu vois ça, tu te dis, bon, c'est ok, ça arrive à tout le monde. Alors ok, tu vois. Ne sois pas dans la démarche pixel, dis-toi que ça arrive à tout le monde. Mais dans ce cas-là, si tu te dis ça arrive à tout le monde, alors tu auras le grade de monsieur tout le monde. Emerald. Diamant. Monsieur tout le monde de Rainbow Six. Si t'as envie d'être dans l'excellence, alors tu dois te dire que ça c'est inadmissible et ça tu le referas plus jamais. Et tout se joue dans le mindset. Et comment est-ce qu'on appréhende le jeu? Toutes ces choses-là qui font qu'on ne s'applique pas, c'est les choses qui sur Rainbow Six font la différence entre un bon joueur, d'accord, un joueur bon et un joueur excellent. Non?
Bah, vous pensez pas, non, chat, si. C'est pour ça que j'ai hyper insisté sur comment, quel est ton mindset, quelle est ta mentalité. Est-ce que t'as envie d'être un joueur bon? Alors dans ce cas-là, il faut continuer. Ok, c'est cool, je peux te donner des petits conseils, des petits tips. Ou alors est-ce que t'as vraiment envie d'être excellent? Et là, il n'y a pas besoin de me parler, de me dire oui, mais bon, j'ai pas beaucoup d'heures, j'ai une copine, je bosse, etc. Machin. Ouais, tu vois, c'est juste la façon dont t'as de voir les choses, de te dire. Ça, j'ai pas le droit. Hier, j'avais bien le mort, hein, parce que j'ai loupé deux rounds d'affilée, ça. Hein. D'habitude, ça passe, mais là, hier, deux rounds d'affilée, j'ai loupé la même chose. Pareil, même Ibada, même endroit. Ok. Ouais, ok. Apparemment, ils impactent le truc pas. Ok, tu vois, par exemple, ça, là. Quel était le... Pourquoi avoir tiré dans le mur en dessous? Vas-y. C'est juste un manque de connaissance. Je pensais que ça ouvrait la ligne sur le couloir. Exactement. Ok. Lequel couloir? Il y a une longue et une short. La short. Okay. La short qui donne tout la trappe moto. Ok, très bien. Où est-ce que t'as tiré là exactement? Là, j'ai tiré dans le mur qui fait l'angle entre les deux. Ouais, t'as tiré juste au-dessus des bières à côté de l'armoire à droite. Ça, sur le pilier, enfin, sur le sort de pilier. Pas vraiment. Non, avant. Tu vois, cette connaissance de la map, ça, c'est hyper important. Il n'y a eu aucune tête qui est possible ici à cet endroit-là. T'as tiré dans un truc qui sert à rien, où il n'y aura jamais de rotation, etc. Oui, machin, truc, d'accord. Tu veux jouer sur la verticalité, il faut savoir ce qu'il y a aussi derrière. D'accord. Donc, du coup, si tu veux prendre la ligne de la short, eh ben, faut aller casser des trucs. Dans l'alignement du. L'alignement de la barrière qui descend du main, là, à droite, la rambarde, légèrement à droite de cette rambarde. Si tu vas à 1 mètre de cette rambarde, la caméra est juste en dessous, là. Donc, connaître les maps, t'as envie d'être dans le détail de Rainbow Six, bon, bah, il faut connaître les maps par cœur, avec et sans les murs. T'as envie vraiment de te sentir à l'aise sur Rainbow Six et tout, tu prends un fucking buck, ok, et tu fais comme moi pendant, je l'ai fait pendant des heures et des heures et des heures et des jours et des jours, tu prends ton buck et tu pètes tous les murs. Et tu peux plus être dans une logique de ouais, mais je pense que c'est vers là, quoi. Parce que, une fois de plus, tu vois, comme je te disais, le simple fait que je t'ai vu faire ça me montre qu'au final, tu fais des choses pour les faire et ces choses-là ne servent à rien. Et derrière, du coup, ça veut dire que tu rentres dans une logique d'être dans l'à peu près, quoi. Je tire à peu près par là, peut-être que ça va faire à peu près ça, etc. Non ! La différence entre le bon joueur et l'excellent joueur, c'est que, tout a un sens, quoi. Et c'est l'avantage de Rainbow Six, c'est qu'il n'y a pas besoin de regarder 1h30 de vidéo. En 15 minutes, on vient de passer 45 minutes dessus pour le coup. Tu veux être bon, ne fais que les choses, soit un liquéfac. Il est dans une démarche extrêmement professionnelle, il n'y a pas de fioritures. Ne fais pas les choses pour les faire. Sois sûr et certain des choses que tu fais. Ok. Quitte à en faire moins. Vous êtes sur mon drone lounge ou pas? 70 aspects qui est dans ce top. Là, on a merdé sur Jaeger. On aurait dû le flash et. Ça sert à rien, là, 37 secondes, frérot. C'est un truc machin, on s'en bat les couilles. En 2v4, je vois même pas pourquoi tu perds du temps, etc. T'as envie de jouer ton 1v1 de 15 secondes de la fin, ok? T'as envie de jouer ce 1v1 qui te laisse 15 secondes. Allez, on va dire 10 secondes d'un 1v1, c'est la possibilité du coup de faker le plantage. Parce que le plantage lui-même déjà va prendre plusieurs secondes. Et si t'as pas la possibilité de faker le plantage, alors donc dans ce cas-là, ça sert à rien parce que tu vas planter. Comme tous les gugus, tu vas te faire cuter par le dernier des mecs. Et à chaque fois, t'auras 4 mecs qui seront là, Enzo, Paul et Pacôme, sur ton truc qui vont dire ah, nice try. Non, pas nice try, c'est de la merde en fait. Pourquoi? Parce que il faut remonter la problématique. Sur Rainbow Six, c'est comme ça. Là, 40 secondes de la fin en 2v4. Tu fais un grand tout droit dans l'escalier main, hein, et t'essaies de décrocher 4 têtes, quoi. Parce que quand bien même derrière tu vas mettre une tête au mec qui était en bas de l'escalier main, mettre une tête au mec qui prend un peu la confiance parce qu'il est en situation supérieure et qui décale dans la longue, on l'imagine, tu le vois le scénario, ouais, tu vas passer au niveau de la moto parce que tu vas pas pocher au niveau de la longue puisque t'as peur d'avoir un croisé, donc forcément tu vas prendre la moto, d'accord. En plus, en jouant la moto, du coup t'as un petit peu peur parce que là t'arrives, tu sors de la moto, t'as la possibilité qu'il y a un mec qui soit en face de toi au niveau du blue. Tu sais pas s'il y a un mec au niveau du blue puisque t'as pas ouvert la trappe qui est juste à droite, donc on n'a pas le contrôle au niveau du blue. Donc tu vas peut-être essayer de mettre une tête au mec au niveau du blue parce qu'il est un peu nul à chier, ok. Et après, tu défonces le mec qui est contact à gauche au niveau du bar. Cool, t'es en train de jouer ton 1v1. Et si il te reste que 3 secondes, t'as perdu. Et rien que le fait d'aller du main à là-bas, sans avoir à tuer tout ce que je viens de te dire, déjà, ça met au moins 10 secondes. Là, pour moi, c'est... Je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo, etc. Mais là, t'as déjà fait un choix qui fait que... Bon, je sais que tu gagnes pas ton clutch, c'est impossible. À moins que tu drops avec la trappe, tu balances une flash et les mecs, ils essaient de te cut, voilà. Non. Ok. J'ai un drone pour la remonter de manière pleine. Ils ont fermé. Close à droite, t'as un mec. 10 seconds remaining. Ah, tu l'as vu. Box 2, box 2. 5 seconds remaining. Dommage. C'est pas grave. Faut qu'on soit plus rapide sur l'anti-roaming et qu'on se jette pas, les gars. Le Jaeger, je l'ai flash, mais... Ah. Attends pour moi, nanana... Tac, allez, on va faire regarder là. Ok, donc là, y a ces deux mecs là, d'accord. Attends, à gauche, c'est Yana. Ouais, c'est la Yana. Ok. Elle est gold pour moi.
Attends, c'était ton pote là qui était à gauche là ? C'est la Yana qui est dans l'office ? Oui. Et tu lui hurles pas qu'il y a un mec contact à gauche ? Mais ça, mais moi je me f***ai par le mec Volt en faisant une décale au niveau du truc et tu me donnes pas le call ? Mais je te dis, mais dégage de mon équipe, sérieusement, ça sert à rien, je peux même pas te faire confiance au final. Parce que le pire, c'est que la Yana, avec son FOV, elle a vu son drone arriver, ton drone arriver. Et le fait que tu ne lui aies pas dit l'information, lui donne une information qui est totalement contraire. Ouais, parce qu'elle voit un drone arriver. Moi, dans ma tête, mon game sense, il me dit tout de suite, bah, s'il y avait quelqu'un, il me le dirait. Donc, je vais peut-être changer mon crosshair placement, et là, je me ferai au niveau du vol. Et je te dirai, mais attends, t'as pas l'information ? T'es sérieux ? Si, si, mais j'ai oublié, tu sais, avec une petite voix timide. Ah non, vas-y, envoie. Bon, envoie, gueule-lui dessus. Et plus c'est dangereux, plus tu lui gueules dessus, quoi. Je te jure, plein de fois par le passé, Youngtis, les héros, tout ça, tous ces joueurs, etc. Je leur ai dit, les gars, Youngtis, quand on a fait finale de la Gamer Assembly de l'année dernière, on a créé l'équipe en 2 semaines. Il y avait des bons joueurs, ok ? Mais des joueurs qui étaient bien moins bons que plein de joueurs de la Gamer Assembly. Mais le seul truc, parce qu'ils étaient tous un peu timides, là, un peu, mais c'est un truc bidule. À chaque fois, je leur rentrais dans l'art en disant, non, ouvre-la, parle de la dynamique, du truc, faut que ça percute. En attaque surtout, en défense, bon après on s'en fout un petit peu, tu vois. Vraiment, le droning, faut que là faut vol, contact à gauche, nice. Y a pas d'autre truc, quoi. Au revoir. Nice. Vous pouvez rentrer, les gars, derrière la mire en ping, y'a personne, nice. J'appelle. Je drone site. Mira devant. Ouais, Mira dans la salle devant. Bon, autre chose, tu vas droner trop loin aussi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Rainbow Six, c'est un jeu de cases. Son drone, t'es ton meilleur ami. Le drone n'a pas à aller dans des endroits. Et je t'ai dit tout à l'heure, on va peut-être passer 2 minutes sur une fucking case qui fait 2 mètres carrés. Le closet de Oregon te fait qu'il est à 2 mètres de toi. Derrière, t'es sur le balcon d'Oregon. C'est à toi ? Le closet, c'est pas chez toi, il y a 2 mètres, et ces 2 mètres, on va passer 2 minutes 30 à les droner, à savoir s'il y a une ligne au niveau de l'armurerie, s'il y a un mec au niveau du trophy, s'il y a un mec qui nous au niveau du halatique, etc. Ça va prendre énormément de temps. Mais moi, ce que je veux pas, c'est si tu montes sur le balcon, t'es en train de droner, et tu fais comme tous les mecs nuls sur Rainbow Six, à savoir, tu utilises ton drone jusqu'à ce qu'il meure. Et tu donnes les informations qui sont trop loin. Genre, t'es sur le balcon d'Oregon, tu drones, trophée, il y a un mec, attique, et il y en a un qui est au fond de la chambre, au niveau de la trappe. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ça, c'est dans 2 minutes, ça. Sur Rainbow Six, 2 minutes, c'est extrêmement long. Ça, c'est beaucoup plus tard. Lui, c'est pas une problématique pour nous. C'est à peu près la même chose que s'il était sur PUBG, il était à 4 km. Le problème, c'est les cases qui sont celles dans lesquelles je vais aller et celles qui sont adjacentes à la celle dans laquelle je vais aller. C'est tout. Donc, plutôt que d'aller droner, en l'occurrence, bon après ton pote push, vaut de l'office, donc bon on aurait préféré plutôt un drone. C'était pas pour ça, mais... Ouais, tu vois, mais on voyait bien que ton drone il se baladait, quoi. Il demandait qu'à se faire au final. Ah bah j'ai perdu mon drone, ah bah je vais passer sur le deuxième. T'as droné le mec qui était au niveau de l'office, information absolument pas importante. En revanche, t'aurais pu te f***er par une Mira, pourquoi ? Pour l'info du Jaeger. Exactement. Quand t'as passé ton drone en dessous d'une porte, à une fenêtre, tu t'es pas retourné à aucun moment pour savoir ce qui t'attendait derrière ce truc-là. Un bandit, un fil barbelé, un C4, une clé mort, un truc, un machin, un Jaeger. T'as balancé une flash, elle s'est fait arrêter par le Jaeger, j'aurais été Mira en face, je te rends à ce moment-là. Et toi, tu te serais dit, putain, ça proc pas, ça touche pas, machin truc bidule. Non, t'as pas droné le Jaeger, t'as balancé une flash, elle a donné rien du tout, et voilà. Le meilleur move, là où j'aurais dit, ok, le joueur est un joueur pro, 0 ouverture de ligne sur la Mira, ne lui donnant pas la possibilité de balancer un de ses 4 ou de prendre une ligne, balancer une flash qui va être deny par le Jaeger, en balancer une autre, et pusher sur la troisième, en faisant attention qu'il n'y ait pas un trap de frost au niveau du truc. Et en... Mira, parce que c'est ta responsabilité ici. Okay. Et là, tout ça, là, ça c'est le board breacher. T'es pas allé droner le mec au niveau de l'office, c'est pas ton problème. T'es pas allé droner le mec dans la chambre, c'est pas ton problème, il y a un castle. Il y a 2 mètres entre toi et cette Mira. Le castle qui, au final, servait les intérêts du bandit, va te permettre, toi, d'aller la Mira dans la douche, quoi. Mais pour ça, il faut faire les choses proprement, il faut savoir est-ce qu'il y a un Jaeger, un machin, un truc, et à un moment, flash, et j'y vais. Hein. Donc là on prend les gens. Oh machin. Finca, j'ai le drone de back ici, il faut. J'ai un drone de cache. Les gars, 24 secondes, je vais pusher la shower. Ok, donc là, comment tu te sens ? Bah bien. Après j'aurais pu effectivement mettre la. Pour prendre moins de risques, la flash shoot dans la trappe à drone. Exactement. Bah c'est bien déjà, parce qu'il y a plein de gens avec 4 de QI, mon gars, genre les joueurs de Call of Duty qui auraient pas compris ça. Jamais. Pas plus pouvoir ça faire. Merci, mais... merci de me dire qu'il y a un move qui est dans le poker qu'on appellerait EV+, qui a une variance positive. Et donc là, en revanche, si t'arrives à me trouver que t'es bien, non, mais mec, mais moi je suis en face là, du haut de mes 40 piges, mais t'es mort là. T'es mort, bien sûr que je vais
t'es, mon gars. Tu me dégoupilles et tu me sors une flash. T'es vulnérable. Tu décales beaucoup trop large en plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens de dégoupiller. Je sais que de toute façon, si je ne te tue pas maintenant, je vais être blanc. C'est le meilleur moment pour moi. Ouais, je t'en... Ouais, je t'en... Ouais. Mon gars, là, j'y vais, là. Ok? Ok. Donc... Beau move, j'ai pris le drone, j'ai vu qu'il y avait un Jaeger, ça j'aime bien. Je balance la flash par la trappe à drone, je deny le Jaeger parce que j'ai réfléchi à quel était le move pour faire ce que j'ai envie de faire sans prendre de risque. Et derrière, je prends une toute petite ligne, je la copie l'autre, et je flash et je reflash et je re-reflash. Je balance, bah s'il m'en reste en tout cas, je balance ce qu'il faut pour assurer le kill. Okay. Exactement. Bon, pardon. Bon, heureusement, elle est débile. Elle le fait quand même, hein. Elle te décale, hein. Elle le fait, mais heureusement, elle pue la merde. Donc, du coup, bah, elle est blanche. En revanche, c'était le Kaïd que tu viens de tuer. Donc, c'est pas la Mira. Et après, est-ce qu'on a envie de parler de ce clutch là? Eh ben, on s'en fout. Et il est là le problème. Une fois de plus. Bon, bah, c'est un clutch, c'est Rainbow Six. Il y a un moment, il y a un push, il y a une exécution. Et on n'a pas envie de parler de ce clutch au final. Non, on a envie de parler des vrais trucs dont on peut parler. Est-ce qu'il aurait fallu swinguer au niveau du couloir, pas swinguer au niveau du couloir? Est-ce qu'il faut planter en se retournant? Et tout, non, on s'en fout. Il y a tellement de choses sur lesquelles il faut travailler avant. C'est la même chose que si tu me disais, ouais, mais là, franchement, j'ai raté mon penalty, machin. Mais on s'en fout du penalty, c'est tellement simple. Ça viendra. Parlons déjà des passes, parlons du plan de jeu, parlons de comment tu te places sur le terrain, de ta gestion des hors-jeux, parce que tu as envie d'être visiblement d'être un vrai défenseur. Il y a plus de chances sur Rainbow Six en étant hardbreacher. Tu auras plus de choses à hardbreacher que de clutch à gérer. C'est pure stats en fait. Hein. Oh, oui, non, oui. Voilà. Toujours, si t'es hardbreacher, des trucs à ouvrir, t'auras toujours des objectifs à respecter, alors que des clutches, bon bah, peut-être pas au final. Donc le clutch, on s'en fout. D'abord, concentrons-nous sur les 80 premiers pourcents au final de la gestion du round, tu vois. Je pense que j'en ai beaucoup dit. Et t'as vu, ouais. Et là, on a regardé 12 minutes de gameplay. Bah, est-ce que t'as des questions? Et deux, après, moi, donc du coup, je reprends tout ça, donc ça va me reprendre du temps, et donc je te fais un programme personnalisé par rapport à l'objectif que tu m'as donné, qui est un objectif de mec qui a une petite caquette. J'aimerais bien qu'il change, mais si c'est ton objectif, alors let's go. Mais si je te vois à la Gamer Assembly et que Youngtiz vous encule, alors que je viens de faire une équipe en 2 semaines, dis un truc là, du coup. Tu me donneras un sandwich, quoi. Je sais pas, non, franchement, ça dépend de ma motivation, quoi. Voilà. Ouais, ok. Est-ce que t'as des questions? Au pire, si jamais j'y pense après, je t'envoie un message. Absolument. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis si cher en coaching. Donc, tu peux m'envoyer des messages quand tu veux sur Discord. Faut me laisser le temps. Je pars le 3 septembre. Donc, ouais, voilà. Tu m'as dit. Pas de... Ok. Donc, déjà, n'hésite pas à me dire qu'est-ce qui va pas, etc. Machin, quoi. Ça allait? Ouais, nickel. C'est ce à quoi tu t'attendais? Bah, non, globalement, c'est ça. C'est tout ce qui est positionnement, les détails, etc. Non, y a pas de point noir. Bah, c'est ce qui fait le charme et la complexité de Rainbow Six. Ça marche, poulet. Bah, écoute, si t'as des questions, bah, surtout, n'hésite pas en tout cas. Ok? Ouais, ça marche pas dessus, je te remercie. Eh ben, on fait comme ça. Allez, bonne soirée, merci. Bye bye, ciao ciao ciao. Merci, moi aussi j'ai appris. Hey YouTube, vous en pensez quoi? Quel discours. Jessica, tu veux de moi? Seule femme sur ce live du coup. Enfin, qu'on pense, parce que je trouve que c'est Jessica, mais bon, c'est plutôt Sébastien quoi. On se connaît à peine, ha. De quoi on se connaît à peine? C'est pas très grave, tu sais. En règle générale, quand il y a des femmes dans ma vie, je leur demande pas vraiment de me connaître. Hein. Ni même de parler, en vrai. Surtout pas de parler. Younim, 39 ans, marié, 3 enfants, en train de retaper la salle de bain de sa meuf. Ferme bien ta gueule. Si tu me fais un bisou, je me sub. Oui, bah j'ai que ça à foutre, frérot, de te faire des bisous. Bah franchement, bah va te faire un... T'es ouf ou quoi? T'as 27 ans, Jessica? Ah ouais, non, laisse tomber. Non, attends, 17, c'est trop jeune, mais 27, là. Oh, attends, c'est périmé. Non, mais franchement, voilà quoi. 27 ans, on sait ce que ça veut dire, hein, forcément. Hein. Les déceptions amoureuses, le... N'oublie pas de faire des subs. J'ai mon fils de pute. Un jour, je vais me faire taper réellement à la PGW. Ok, hein, et oubliez pas, Bolo est une fraude YouTube. Oh les mecs, premier degré, je vais encore me faire taper dessus. We'll be right back.